Aujourd'hui, j'ai surtout envie de parler patrie avec vous. J'ai envie de parler musique avec vous. J'ai envie de parler musique avec vous. Parce que l'ennemi est en train de réussir. L'ennemi est en train de réussir. L'ennemi est en train de nous diviser. L'ennemi est en train de nous diviser à tous les niveaux. À tous les niveaux. Donc, il faut resserrer les rangs. Il faut resserrer les rangs. Il faut resserrer les rangs. Dans ce combat-là, dans ce combat que nous sommes en train de mener, ce n'est qu'un combat du bien contre le mal. Ce n'est qu'un combat du bien contre le mal. Contre le mal. Et c'est très, 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 très important pour nous autres qui estimons que nous sommes les soldats du bien de resserrer les rangs. De resserrer les rangs. Il faut qu'on resserre les rangs. Physiquement, psychologiquement, moralement, il faut qu'on resserre les rangs. La chanson que je viens de vous faire écouter là, c'est une chanson qui est extraite de l'album Rêve d'Afrique. L'album là est sorti depuis 2015. Depuis 2015. Les vrais savent de quoi je parle. Le discours n'a pas changé. Depuis 2015, le discours il est le même. Les bavures policières, nous on dénonce ça depuis le premier album. Les vrais savent de quoi je parle. Mais aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle musique. J'ai envie qu'on parle musique. Parce que je vois certaines réactions, certaines attitudes de certaines personnes. Ça me blesse. Ça me blesse. Dans mon amour guinéen, ça me blesse. Ça me fait très très mal. Ça me fait très très mal. Moi, je suis habitué, hein. Ça ne me dérange pas. Quand on me traite d'ethno, quand on m'insulte, quand on estime que mes idées ne sont conditionnées que par mon nom de famille, ça ne me dérange pas, hein. Moi, je suis habitué à ça. C'est moi qui ai choisi un métier où je vais avoir la prétention de parler pour plusieurs personnes. C'est moi qui ai choisi ça. Il y avait beaucoup d'autres métiers au monde. Moi, j'ai choisi de faire ce métier-là. Donc, quand on juge, quand on rattache ma pensée, mon état d'esprit et mon fonctionnement, quand on rattache ça à mon nom de famille, ça ne me dérange pas. Hein. Moi, ça ne me dérange pas. Moi, personnellement, j'ai l'habitude. Mais après, je ne peux pas demander à tout le monde de réagir de la même manière ou d'avoir la même hauteur ou d'avoir le dos aussi large que ça. Je vous ai mis Niakidine en début de live. Je vous ai mis Niakidine. Parce que faire la musique, c'est très difficile. C'est un métier très, très difficile, faire la musique. C'est un métier très, 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 très difficile. Très, très difficile. Moi, personnellement, à chaque fois que quelque chose me dérangera, je le dirai, je l'exprimerai. Ouvertement. À haute et intelligible voix, je dirai toujours, je suis pour l'alternance. Je suis contre la dictature. Je suis contre le troisième mandat. Si le troisième mandat, ça veut dire quatrième république, je suis contre la quatrième république. Je dirais ça encore et encore, encore et encore. Jusqu'à mon dernier souffle de vie, je dirais ça encore. Je suis convaincu de ça. Ça, c'est moi, c'est ma personne, c'est mon être. C'est mon être. Et personne ne peut changer ça. Personne ne peut changer ça. J'ai ma manière de voir les choses, j'ai ma manière de raisonner. J'ai ma manière d'analyser la situation que la Guinée vit. Ça, c'est moi. C'est moi. Ça ne regarde que moi. Ça ne regarde que moi. Je le dirai encore, encore et encore. Mais aujourd'hui, comme je vous dis, j'ai envie de parler musique avec vous. J'ai envie de parler musique avec vous. J'ai posté tout à l'heure d'aller voter pour Manaba Kanté. Elle est finaliste du prix RFI Découverte. Allez voter pour elle. Il faut aller voter pour elle. Il faut aller voter pour elle. Moi, Manaba Kanté, c'est ma fille. Moi, je suis bas. Elle est Kanté. Moi, c'est ma fille.
allez voter pour elle. Les gens qui nous connaissent, les gens qui connaissent la relation qu'on a, savent que c'est ma fille et ils savent de quoi je parle. Donc, allez voter pour elle. Allez voter pour elle. Il n'y a pas de boycott possible là-bas. Allez voter pour elle. Allez voter pour elle, tu vois. Ça me fait très mal quand je vois certaines réactions. Genre, par exemple, les gens, ils disent... Par rapport au truc qui s'est passé avec Soulbank, les gens, ils veulent me remettre dans le débat là. Gianni Alpha à Soulbank, ça me fait mal. Moi, je n'ai pas de problème avec les artistes guinéens. Je n'ai pas de problème avec les artistes guinéens. Les artistes guinéens et moi, on a les mêmes problèmes. Et certains d'entre eux ont plus de problèmes que moi. Je n'ai pas le temps d'avoir des problèmes avec les artistes guinéens. Association de pauvres, ça augmente la misère. Ah, imagine la guerre des pauvres. Imagine la guerre des pauvres. La misère que ça augmente. La misère que ça crée. Allez voter pour Madame Bakanté. Elle est finaliste au prix RFI. Elle fait partir des 10 finalistes. Sur la liste des 10 personnes là, moi j'ai par exemple une excellente amie à moi. Une excellente amie à moi. Une très 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 bonne amie à moi. Mounaya du Sénégal. Une très 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 bonne amie à moi. C'est une très 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 bonne amie à moi. La relation que j'ai avec elle, je n'aime pas cette relation-là avec Madame Bakanté. C'est mon amie, tu vois. Mais là où on est là, je vous dis, allez voter pour Madame Bakanté. Parce que la Guinée a besoin d'événements heureux. La Guinée a besoin de choses qui vont faire que les Guinéens vont être joyeux, tu vois. Quand on parle de Soulbank ou des trucs comme ça, moi je rentre pas dans ce débat-là. Moi j'ai sorti mon premier album en 2012. 2012, j'ai sorti mon premier album. Là, je suis en train de travailler sur mon cinquième album parce que mon troisième album, c'était un double album. Je suis en train de travailler sur mon cinquième album. Mais sur mes quatre premiers albums, il y a featuring Soulbank. Premier album, G4Life, guichet fermé, Soulbank, c'est dedans. Deuxième album, Rêve d'Afrique, l'homme du peuple. À la fin, c'est la voix de Soulbank. Troisième album, Sicario, Schizophrénie, Ambera, c'est featuring Soulbank. Ça veut dire que moi, tous les albums que j'ai sortis jusque-là, là, dans chacun de mes albums, il y a featuring Soulbank. Je ne peux pas inviter quelqu'un pour qui je n'ai pas de l'amour ou de l'estime dans mes projets musicaux. Mais ça ne regarde que moi. ça ne regarde que moi. Ça ne regarde que moi. Manamba est finaliste. Prix RFI, allez voter pour elle. C'est ma fille. Quand je dis que c'est ma fille, allez voter pour elle. C'est ma fille. 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 Allez voter pour elle. Elle est finaliste au prix RFI Découverte. Allez voter pour elle. Il y a des grosses pointures de la musique africaine qui sont sur la même liste qu'elle de concours. Je vous dis, j'ai une de mes bonnes amies, une de mes meilleures amies, si ce n'est pas ma meilleure amie, Mounaya, elle est du Sénégal, elle est finaliste. Parmi les 10 finalistes là, c'est-à-dire, j'ai ma fille qui est Manamba Kanté, j'ai ma meilleure amie qui est Mounaya, et il y a un artiste qui est parmi les 10 finalistes, avec qui on est en train de gérer un featuring sur l'album Rêve d'Afrique. Mais ça, c'est pas important. Ça, c'est pas important. Ça, c'est des projets artistiques qui, c'est moi à mon niveau. C'est moi à mon niveau. Ça, c'est moi que ça regarde. Aujourd'hui, moi, j'estime que la Guinée a besoin d'événements heureux. D'événements heureux. Peu importe celui qui va ramener cet événement heureux là. Peu importe qui c'est. Peu importe qui c'est. Mais partout où on va avoir l'occasion de porter un Guinéen pour que les Guinéens soient contents, il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le faire. Et tous, on doit le faire. C'est de notre devoir de le faire. C'est de notre devoir de le faire. C'est vrai qu'aujourd'hui,
On est tous et toutes dessus les uns des autres. C'est-à-dire, on est fâchés les uns contre les autres. C'est vrai, à raison ou à tort, mais on est fâchés les uns contre les autres. Pourquoi j'ai commencé ce live-là par Niakidine. Niakidine, c'est un morceau qui était dans mon deuxième album, qui dénonçait les violences policières. Mais vu que le refrain était en polar et que ça disait Yo là, on m'aime Niakidine, les gens ont dit que Gianni Alpha, c'est un ethno. Non, tu as vu la chanson là, il a fait ça contre, c'est-à-dire, il a fait ça pour les peuls. C'est un ethno parce que la chanson a marché. Moi, ça ne m'a pas dérangé, ça ne m'a pas dérangé personnellement. Mais la petite historique de la chanson, en fait, ça me fait mal parce qu'aujourd'hui, c'est. En fait, il faut tout expliquer aux gens. Il faut tout expliquer aux gens. Et ça me fait. Moi, personnellement, artistiquement, ça me fatigue. Artistiquement, moi, ça me fatigue. Ça me fatigue. Parce qu'à chaque fois, il faut que tu expliques aux gens. Non, tu sais, quand j'ai dit telle phrase-là, au fait, ça voulait dire ça. Ça voulait dire ça. Il faut que les gens y comprennent. La chanson Niakidine, c'est une chanson qui a été maquettée 2 ans. 2 ans. 2 ans avant la version qui est dans l'album. 2 ans avant la version qui est dans l'album. Et la personne qui faisait les chœurs dans la chanson quand on maquettait ça, quand on était au studio, on était quatre. La version finale de la chanson que vous avez écoutée, c'est Fakhri qui fait le beat et c'est Gianni Alpha qui pose. Mais cette chanson, elle a été maquettée avec quatre personnes. Quatre personnes. Il y avait Gianni Alpha, il y avait Free Fada Beat, il y avait Manamba Kanté qui faisait les chœurs et il y avait Free Fada qui a fait le beat de base. Le beat de base. Ce qu'on a fait là, ce qu'on a enregistré, c'était tout pourri, hein. C'était un son tout pourri. Mais c'est du son là qu'on est parti, on a retravaillé, on a retravaillé, on a retravaillé. Et c'est ça qui a donné la version finale de Niakidine, qui a hité là, qui a fait gros hit, qui a marché. Et qui a valu qu'on traite Gianni Alpha d'artiste ethno. Ça, c'était à la base la maquette de Niakidine. C'est comme ça qu'on a commencé à écrire Niakidine. Et la voix que vous entendez à la fin là. La voix que vous entendez à la fin là, c'est la voix de Manamba Kanté. C'est la voix de Manamba Kanté, tu vois. Mais après, artistiquement, hey, il y a des artistes qui font, c'est-à-dire de la musique engagée, il y a des artistes qui font de la musique amoureuse. C'est comme ça. C'est comme ça. Je ne suis pas en train de m'ériger en défenseur des artistes guinéens. Loin de moi cette idée. Loin de moi cette idée. Loin de moi d'essayer d'expliquer le fait que les artistes guinéens ne prennent pas position. Loin de moi cette idée. Loin de moi cette idée. Mais personnellement, je ne vais obliger aucun artiste à prendre position, c'est-à-dire face à une situation ou pas. C'est individuel. C'est propre à chacun d'entre nous. C'est propre à chacun d'entre nous. C'est propre à chacun d'entre nous. Moi, je suis quelqu'un de naturellement engagé. Et ça se ressent dans ma musique. Ça se ressent dans ma musique et ça se ressent dans tout ce que je fais. Mais ça, c'est moi. Ça ne regarde que moi. Niakidine, je viens de vous faire écouter, c'est-à-dire la maquette. La maquette. La toute première version de Niakidine. C'est comme ça qu'on a fait ça à la base. Tac, après, ouais, on s'est assis, on a réfléchi. Si vous réécoutez le live après, vous allez vous rendre compte au fait que tout ce qu'on dit. Tout ce que je dis dans la maquette, c'est ce qui s'est retrouvé dans le premier couplet. Et que après. Parce qu'à l'époque, déjà, j'avais envie de faire une chanson contre les violences, c'est-à-dire policières. J'avais envie de faire une chanson où je dénonçais l'injustice, c'est-à-dire je dénonçais la barbarie des pseudo-hommes de tenue, hommes de loi. Et la personne qui faisait les chœurs dans cette chanson-là, c'était Manamba Kanté. C'était Manamba Kanté. Donc aujourd'hui, si elle est finaliste au prix RFI, votez les gars, votez, donnez de la force, votez, votez. Parce qu'aujourd'hui, en Guinée, on a besoin d'événements heureux. On a besoin d'événements heureux, tu vois. Je ne sais pas, on a besoin d'un Sili National qui gagne la Coupe d'Afrique. Même si tous les joueurs du Sili National, c'est des enfoirés, tous autant qu'ils sont.
Je le dis et je le réitère, tous les joueurs du Sili National, c'est des enfoirés. C'est des gros, gros enfoirés. Tout ce qu'ils savent faire dans leur vie là, c'est courir derrière un ballon. C'est tout ce qu'ils savent faire. Ils ne savent pas qu'à un moment donné, quand tu es important et que tu représentes quelque chose, tu te dois de porter les gens. Que quand à un moment donné, le Tout-Puissant te donne la lumière pour représenter, pour parler, et que des millions de personnes applaudissent, pour taper dans un ballon, et que des millions de personnes applaudissent, ça veut dire que tu as une puissance. Tu as une puissance. Les politiciens guinéens, quand ils font campagne, quand ils font meeting, ils payent les gens pour aller les écouter. Les artistes et les sportifs guinéens, quand nous on fait concert, les gens payent pour venir nous écouter. Voilà toute la différence. Voilà toute la différence. Et l'artiste ou le sportif qui n'est pas conscient de ça, moi personnellement, je me dis que tu n'es pas conscient de la puissance que Dieu a mis en toi. Mais ça c'est moi, c'est moi que ça regarde. C'est moi que ça regarde. Après maintenant, hey, c'est pas tout le monde. Il faut faire la différence entre les gens, entre les acteurs politiques et les gens qui sont politisés, tu vois. Les gens qui sont capables, c'est-à-dire de voir une situation et de l'analyser, c'est-à-dire politiquement parlant, quoi. Et de dire, non, au fait, voilà ce qui est en train de se passer. Voilà ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, s'il y a un Guinéen, s'il y a un Guinéen qui a le courage, qui a le courage de s'arrêter et de regarder, de se regarder et de dire qu'en Guinée, on n'a pas un problème. Que le tissu social n'est pas, je dirais même pas déchiré, mais déchiqueté. C'est un imbécile. C'est un imbécile. C'est clair et c'est net. C'est clair et c'est net. S'il y a un Guinéen qui est capable de se poser aujourd'hui et de dire que les Guinéens, c'est-à-dire on n'est pas en train de mettre les Guinéens dans une position que tout soit communautaire, on est en train d'amener les Guinéens à avoir un repli identitaire. Celui qui veut, le Guinéen qui veut nier ça, c'est un imbécile. C'est un imbécile. Peu importe son métier. Peu importe son métier, peu importe son argent. Le Guinéen qui est capable de nier ça aujourd'hui, c'est un imbécile. Le Guinéen qui est capable aujourd'hui de s'asseoir et de dire que c'est-à-dire que en Guinée, les exactions qui sont en train de se passer ne sont pas en train d'être vécues que par une communauté. Et que le seul prétexte de toutes ces exactions-là, c'est que l'opposant direct au pouvoir est de cette communauté-là. C'est un imbécile, le Guinéen qui te dit ça. Ça, c'est un Guinéen qui est en train d'alimenter, c'est-à-dire la division. Ça n'a rien à voir avec une question d'avoir, c'est-à-dire un positionnement politique, dire que je suis de tel parti ou de tel autre parti. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. À un moment donné, c'est-à-dire, il faut qu'on accepte de se regarder et de se dire la vérité. De se dire la vérité. Les gens ne vont pas se lever et inventer, dire que non. C'est-à-dire, ils se sentent lésés, ils se sentent agressés, ils se sentent insultés, ils se sentent diminués, que pour le plaisir de dire ça. C'est-à-dire, quel est l'idiot qui va se lever au monde et qui va dire non, je me sens ségrégué? Comme si c'était une fierté, quoi, de dire je me sens ségrégué, je me sens insulté, je me sens violenté. Et que ça se fasse sur le principe d'un nom de famille. C'est regrettable, c'est regrettable, c'est regrettable. Et si les Guinéens ne sont pas capables d'accepter ça, de l'entendre, de le comprendre et de le soigner, on est dans la merde. On est dans une grosse merde. On est dans une grosse, 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 grosse merde. Yeah. Moi, le métier que je fais me permet de prendre de la hauteur. Ça me permet de prendre de la hauteur. Parfois, il y a certaines personnes... Quand elles parlent, quand elles envoient, je rigole, hein. Je réponds, tac, tac, je rigole. Mais je prends de la hauteur.
Ça, c'est mon métier qui fait ça. C'est mon métier qui fait ça. C'est mon métier qui fait ça. Ouais. Mais le jeune qui est posé à Cancan, le jeune qui est posé à Zérékoré, le jeune qui est posé à Labé, qui n'est peut-être jamais allé à l'école, tu comprends? Le jeune qui est posé, je sais pas, à Boké, qui n'est peut-être jamais allé à l'école, tu ne peux pas lui en vouloir de ne pas avoir le dos aussi large que Gianni Alpha. C'est ça qui est la vérité. So, wake up, wake up, wake up. Moi, j'invite tous les Guinéens pour le prix RFI Découverte, allez voter Manamba Kanté. Allez voter Manamba Kanté. Manamba Kanté, c'est pas une artiste politique. Elle n'a jamais fait, elle n'a jamais eu d'engagement. Jamais, jamais. On peut pas lui en vouloir pour ça, tu vois. On peut pas lui en vouloir pour ça. On peut pas lui en vouloir pour ça. Moi, Gianni Alpha, je ne suis pas en guerre avec les artistes guinéens. Je n'ai pas le temps pour ça. Moi, Gianni Alpha, je suis en guerre contre la malhonnêteté de certains Guinéens, contre l'ingratitude de certains Guinéens, contre l'injustice de certains Guinéens. Mais dire que non, je suis en bif avec tel artiste, non, j'ai pas le temps pour ça. J'ai pas le temps pour ça. J'ai pas le temps pour ça. Artistiquement parlant, en Guinée, il n'y a pas 10 artistes guinéens qui me connaissent. Mais ceux qui me connaissent savent qui je suis. Et savent vraiment quel genre de personne je suis. Ceux qui me connaissent, ils savent qui je suis. Et ils sont dans tous les genres musicaux. Hein. Ils sont dans tous les genres musicaux. Ils savent qui je suis. Ils savent le genre de personne que je suis. Ça, c'est de la mamaya au reggae. En passant par la dancehall et le rap. Mais ils sont pas 10 à me connaître. Parce que j'aime bien faire attention à mes fréquentations. J'aime bien faire attention à mes fréquentations. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. C'est moi que ça regarde. C'est moi qui ai cette force-là. C'est moi qui ai cette force-là. Mashallah. Dieu merci. Dieu merci. Grâce à Dieu. Yeah. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Moi, j'ai des albums, maman, où c'est Azaya qui a joué la basse. Hein. Moi, j'ai déjà amené Azaya dans des studios où trois personnes ne peuvent pas tenir dans la même pièce, quoi. Puis on a fait des albums comme ça. On a sorti, ça a marché. Tu vois. Moi, j'ai des vidéos de moi en concert sur scène où Azaya joue la basse. Manamba Kanté fait les chœurs. J'ai ces vidéos-là. Je ne peux pas m'embrouiller avec l'artiste guinéen. Parce que l'artiste guinéen, en tout cas, les artistes guinéens que j'ai eu à côtoyer, ils m'ont donné la force dont j'avais besoin. Et je pense que je leur ai rendu aussi. Je pense que je leur ai donné aussi la force dont ils avaient besoin. Tu vois? So, stay focus. Stay focus. Stay focus. Si on peut faire en sorte que Manamba Kanté gagne le prix RFI Découverte, on n'a qu'à faire en sorte qu'elle gagne le prix RFI Découverte. Tu vois? Ça va mettre un peu de joie dans le cœur des Guinéens. Ça va mettre un peu de joie dans le cœur des Guinéens. Si on peut faire ça, on n'a qu'à le faire. Parce que le combat n'est pas là-bas. Ils sont en train de nous distraire. Ils sont en train de nous distraire. C'est-à-dire, ils sont en train de nous faire oublier le combat. En nous mettant à mal les uns, c'est-à-dire avec les autres. En nous montant les uns contre les autres. On les oublie. On les oublie. Moi, je refuse. Je ne les oublie pas. Moi, je ne les oublie pas. Je ne les oublie pas. Le Guinéen n'est pas logé. Le Guinéen n'est pas nourri. Le Guinéen n'est pas soigné. Le Guinéen n'est pas respecté. Moi, c'est ça qui est important pour moi. Moi, c'est ça qui est important pour moi. Tout le reste, c'est des faux débats. Tout le reste, c'est des faux débats. Tout le reste, c'est des faux débats. Après, partout où il y a un Guinéen qui sera en mode où il peut donner de la force et de la joie dans le cœur des Guinéens, moi, Gianni Alpha, si je peux accompagner, je vais accompagner. Je vais accompagner. Et je demande à toutes les personnes qui me font confiance et qui ont du respect pour moi d'accompagner. D'accompagner. C'est-à-dire en toute sincérité. En toute sincérité, quoi. On accompagne. En toute sincérité, on accompagne. Et après, on se concentre sur l'essentiel. On se concentre sur l'essentiel. Sur l'essentiel.
comment nos enfants vont aller à l'école, comment on va soigner nos parents, comment on va nourrir nos femmes et nos enfants. Ça, c'est ça. C'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel. Et qu'on se concentre sur ça. Qu'on se concentre sur ça, la famille. Le direct de ce soir, c'est ce que je voulais vous dire. C'est ce que je voulais vous dire.